Capture the flag. Capture the flag. Donc salut tout le monde, c'est Aizen et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous montrer comment on trickshot contre les bots. Gun down, stand alors, by. Je suis en compagnie de Matt, Red Dragon et Epsilon. Salut à vous. Salut. Salut. Donc voilà. Enemy flag acquired. Voilà donc. Je vais vous expliquer comment jouer en close, ça va arriver tout de suite dès que le début de la partie va commencer, bien évidemment. Waypoint out! Ah, donc Epsilon va poser le drapeau. Voilà, alors pour ce bug, ce sera très simple. Il vous faudra d'aller dans changer d'équipe, aller dans code casting. Et dès que vous aurez été dans code casting, vous allez dans rechanger d'équipe. Et vous allez dans l'équipe où contre les bots. Vous êtes dans l'équipe qui sera contre les bots et vous martelez votre bouton X. Voilà comment faire le bug. Ensuite, vous prenez le drapeau directement et vous prenez le drapeau et vous le mettez à l'endroit où vous souhaitez la trickshot et voilà. Donc du coup les bots ne sera pas en train de bouger pendant que vous serez en train de prendre le drapeau. Donc du coup vous pourrez trickshot tranquillement sans que les bots vous tuent pendant que vous prenez le drapeau. Hop là. Donc non on va. Je vais plutôt vous expliquer comment on voit en clos. Alors on commence par prendre son index. Déjà le clos c'est en fait vous voyez si vous avez vu trickshot en clos mais vous voyez la plupart des gens enfin ceux qui jouent pas encore en clos ou en pouce inversé bref ils mettent la charge sans tourner et le clos consistera justement à mettre une charge ou faire un insta swap en tournant donc on va commencer directement vous allez prendre votre index. Vous allez le mettre sur le bouton triangle, carré, rond et croix. Et justement là, quand vous allez tirer, vous allez pas appuyer avec votre pouce sur le bouton triangle pour mettre charge, mais vous allez appuyer sur triangle avec votre index et mettre une charge et appuyer sur le bouton triangle. Donc voilà le clos. Et moi, j'ai commencé le clos il y a à peu près 8 mois, voilà. J'ai mis à peu près 2-3 pour me faire. Après, je trickshoté pas encore comme ça, bien évidemment. Et voilà. Merci beaucoup pour les 100 abonnés. Merci beaucoup, ça fait que 4 mois qu'on a commencé. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc là on est en train de vous faire un tuto trickshot, donc ça va bientôt arriver. Et bientôt on vous expliquera voir les bases du trickshot, tout ça. Voilà. Et des lives de trickshot sûrement. C'est sûr en tout cas. Maintenant on va essayer de vous rentrer une petite cam pour faire ça. Parce que les vidéos ça s'arrête pas comme ça sans cam, et voilà. Ouais. Tu dis tu l'as encore mis. Ouais. Mais arrête pas. Ouais, on va laisser la tête par la kickcam. Mais on dit dans là. Ah bah faut déjà que les bots qui viennent sur les drapeaux, ce serait pas mal. Ouais. Ah encore. Pas ça. Mais au pire, tente de la distance maintenant, on s'en fout. Allez. Jimmy Jazz, c'est là. Bon bah comme vous voyez les bots sont sur le drapeau, voilà. Bouge pas donc du coup c'est vraiment un mode parfait pour trickshot si vous voulez voir un trickshot.
C'est vraiment le mode parfait. Du coup, toi, tu dis pas et vous, vous serez flotté. Tranquillement. Ouais, absolument. Et voilà, et bah, oh, tiens, bah à la fin, ici, je vais vous montrer les réglages. Mais là, c'est la Yonwana. Et en fait, vous met, il faut mettre le tir allié, bien évidemment. Enfin, voilà quoi. Pour que oui, vous équipes et que quand vous trickshotez, les bots ne vous tuent pas, ne vous tueront pas. Et si on en tue un, il y aura plus la kickcam, même s'il y a le tir allié. C'est pas le cas de l'hardcore où quand on tue notre ami, il y a pas la kickcam. Voilà. Bien expliqué. Voilà. Ouais, pareil, c'est que ma fille tout à l'heure. Mais on se donne là. Our flag carrier is down. We have the enemy flag. Ouais, très bien, franchement. Ouais. Faut que tu rentres un camarade. Ouais. Jimmy Jazzina. Ça va arriver la petite. Ah, c'est surcadré, mais le bot il prend pas. Je sais pas. Ouais, ça arrive. Ouais, les bots ils sont comme ça. Hein. Ouais. Judy ah okay. Là, je vais. Bon, bref. Ouais. Top kill. Bon bah voilà, j'ai mis une petite cam et maintenant Epsilon va vous montrer les réglages pour faire cette partie entre guillemets qui est contre les bots. Et voilà, donc les bots vont setup. Stand down, it's a draw. Donc voilà, ah ouais, mais c'est mangé. Donc voilà, et en Epsilon va montrer les paramètres de trickshot contre les bots. Il vous faudra faire exactement tous les mêmes paramètres. Donc regardez bien ce qu'il fait ou s'ils sont déjà mis. Et voilà, donc je vous laisse. Et regardez bien et bon courage pour trickshot. Et voilà. Bonne vidéo. Ouais, bonne vidéo. Et abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. Et aimer la vidéo, ça ne nous dérange pas non plus. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo bientôt. Sûrement un live trickshot, je suppose, dès que un de nos coéquipiers rentrera de vacances. De colo. Et voilà. Donc, ciao tout le monde, c'était Aizen pour le commentaire. Red Dragon, Matt et Epsilon. Ciao tout le monde. Salut.